autrefois orphelin. Dans le lit, ne cherche plus ton ventre. Je n'imagine pas un instant te reprendre au creux de mon antre. Je vais enfin pouvoir remettre tu m'avais offerte. Désormais inoffensiveté, petites impostures éblouit les tous sans pêche. La colère se reconnaît futile dès lors que l'attente démissionne. Il en aura fallu du temps au piédestal pour se fendre. Je vais enfin pouvoir remettre la robe que tu m'avais offerte. Je n'ai plus envie d'ouvrir tes yeux, plus envie de chercher lequel des deux amoureux sur soi-même a trébuché. Dans quelle béance de nos fêlures nous avons remué le couteau. Ça me va que l'on se déçoive, tout est bien qui repart à zéro. Je vais enfin pouvoir tu m'avais offerte. Merci beaucoup. Une chanson sur la sororité, sur le plaisir et la force que ça donne de se penser en sœur. Et elle est construite comme un hommage musical à la jota galega. Donc la jota, c'est une forme de musique traditionnelle qu'on retrouve sur toute la péninsule ibérique. Et en Galice spécifiquement, c'est vraiment voix pandereta, surtout par les femmes. Il y a aussi des versions avec des cornemuses et divers instruments. Mais là, c'était vraiment un hommage à la version voix pandereta. Les Céline, les
que frère dans tout ça. Celle qui a la joie en sommeil et bénir la lumière de celle qui devient soleil. Cléane et Chloé, Clémence et Maria, les Carolina, Naïma, Paola. Les elle, les la, les Léo, les Laïa, Aïa, les Laure, Aïa, la 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 la. Une chanson que j'ai écrite pour un homme qui a été violé quand il était enfant. Ton secret, si tu le tais, fera des petits orvets qui, avec obstination, rongeront tes fondations. Tu construiras un palais sur un marais de colère. Chaque mur érigé sera trop dur ou trop fluet, luttant contre les fissures ou finissant par s'écrouler. Rassemblant toute ta rage, tu reprendras le chantier, mais même du fond de sa cage, il viendra te saboter. Insidieusement, il aura rapproché les cloisons jusqu'à ce que tu ne puisses plus que tourner en rond et tourner en croyant atteindre le jour retournera contre toi.
secret. Si tu le rentres, tel un fœtus détestable, ça grandira dans ton ventre, s'invitera à ta table en clandestine vicieuse, voyant manger tes marmots, cachera une pomme véreuse, lave tout au fond du seau. Tu penseras avoir rompu la chaîne de malédiction, enterrer ce grand tabou sous une couche de béton. Mais tu t'apercevras que la violence n'a pas d'oubli, que tes enfants ont ressenti ce que personne n'avait compris. Tu voudras les protéger, nettoyer toutes leurs cellules de cette encre si tenace, invisible et héréditée. Il faudra t'armer d'amour pour faire sauter l'opercule. Semer le jour pour consoler la victime en toi bafouée. Secret, si tu l'affrontes, tel un escargot de terre, dégorgera toute la honte qui te maintient solitaire. Tu rencontreras des frères, vous pourrez vous regarder, et d'une même voix claire, la justice vous est. Et leur folie dévastatrice, ta voix sera un rempart face à leurs âmes distorses, que plus jamais ils ne puissent provoquer d'autres abysses. Secret, quand tu le rends, perle tes de son pronom. Le monde n'a plus le droit à ses points de suspension. Il doit cesser de nourrir, ne plus jamais accoucher de tyrans qui vont se servir de monstres faiseurs de secrets. Merci beaucoup. Alors, je suis une artiste subventionnée par, non pas le ministère de la Culture, mais de la Santé. Je vais vous expliquer une raison. C'est qu'en fait, à chaque fois que je joue quelque part, je dois délivrer un message de santé publique. Et donc, j'ai décidé de le faire en musique, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Et en fait, ça date du Covid, c'est qu'ils se sont rendus compte que la radio et la télé, ça marchait pas forcément toujours pour convaincre les gens. Donc, ils se sont dit, on va aussi miser sur le spectacle vivant. Et donc, voilà. Donc, du coup, je reçois pas mal d'argent. Donc, je vais pouvoir peut-être vous en... En général, j'en redonne au lieu qui m'accueille. Donc, peut-être que peindre, c'est... Enfin, ou lisser un peu les murs, parce que c'est un peu plein d'aspérité. Bon. Ou repeindre, enfin, comme vous voudrez, mais vous aurez une petite...
participation, voilà, la grotte à Pinot. Allez, c'est un moment à passer. Toutes ces normes, oui. Ne t'inquiète pas, tu restes un homme, même si quelqu'un pénètre ton rectum. Et oui, c'est consternant quand on constate, oui. Constate le con, pas la prostate, non. Écoutons donc, tendons l'oreille, oui. À cet organe sans pareil. Mais si, alors que l'on a exhumé ma cousine clitorine en hétérocaptivité, je suis encore une orpheline. Je reste triste et scellée, planquée dans ce colon banni, rêvant que mon preugrier vienne me faire des chatouillis. Et si on balançait les dogmes, si on dépassait toutes ces normes, oui. Ne t'inquiète pas, tu restes un homme, même si quelqu'un pénètre ton rectum. Et oui, c'est consternant quand on constate, oui. Constate le con, pas la prostate, non. Écoutons donc, tendons l'oreille, oui. À cet organe sans pareil. Mais si, et s'il n'ose pas rentrer, serait-ce à cause de ses gardiens, garant toxique mal biaisé, grand décideur du masculin. Trop peu nombreux sont ceux qui osent donner aux geôliers leur congé, ouvrir leur temple pour qu'éclose ce plaisir bêtement caché. Et si on balançait les dogmes, si on dépassait toutes ces normes, oui. Ne t'inquiète pas, tu restes un homme, même si quelqu'un pénètre ton rectum. Et oui, c'est consternant quand on constate, oui. Constate le con, pas la prostate, non. Écoutons donc, tendons l'oreille, oui. À cet organe sans pareil. Mais si, si jamais on ne la visite, serait-ce parce qu'elle menace le piédestal de la pite qui jusqu'alors prit tant de place. Toutes ces craintes archaïques, balayons-les d'un coup de cœur. Oui, le miracle prostatique se donne en voile comme en vapeur. Et si on balançait les dogmes, si on dépassait toutes ces normes, oui. Ne t'inquiète pas, tu restes un homme, même si quelqu'un pénètre ton rectum. Et oui. Et si on balançait les dogmes, si on dépassait toutes ces normes, oui. Ne t'inquiète pas, tu restes un homme, même si quelqu'un pénètre ton rectum. Et oui. Cet été, je suis allée faire un stage d'écriture dans l'école qu'a montée Francis Cabrel. Vous connaissez Francis Cabrel ici ? Non ? Super réalisateur. Et il a monté une école pour les chansonniers avec plein de stages de toutes sortes. Et donc là, on avait un stage d'écriture. Et une consigne, on était deux groupes. Il y avait un groupe qui devait inventer un titre de chanson et le deuxième groupe qui devait écrire la chanson qui correspondait au titre. Et donc j'ai écrit Hortense, une chanson pour une belle plante. Pas du tout. Hortense,
silencia. Pas de doute, tu vois, les choses elles sont comme ça. Depuis que je suis graine, le vent me souffle en que toute plante saine doit aimer les chardons. Qu'il n'y a qu'une loi que personne n'en doute, qu'elle est universelle, que c'est la seule route. J'ai vu la rose rouge, l'azale et le lilas s'enchardonner en trombe, se jeter dans leurs bras pour séduire le piquant, se farder de couleurs, courir la fleur du mal pour leur future rondeur. Hortensia, quelque chose de toi qui me trouble à tout va. Et moi en enfant sage, je regardais les chardons. Mais la pensée sauvage a son propre jargon. Car depuis quelque temps, ma voisine, l'hortensia, m'aime d'une façon telle que je n'attendais pas. Lorsque nous nous frôlons sous l'effet de la brise, et que mon cœur éclate, soudain je réalise. Quand je vois que mon corps, tout le tien voudrait lire, quand ce que je croyais mort se réveille à ton rire. Celle que j'aime, c'est toi.